Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Vlogs Impliques. Et là, on va partir au magasin de glace pour aller prendre des photos de mes petites chaussettes glace de Charleston. Et bien sûr, acheter des glaces pour le repas de ma grand-mère. Hein, Kiki, c'est parti! Eh bien, justement, ça a plus de 100 ans même. Elle s'est mariée en quelle année? Je ne sais pas les années. Elle s'est mariée. Tu es née l'année d'après, toi? Eh bien, je suis née en 36 ans. Elle a un branché. Alors, le 36, le 37. Mais il y a 90 ans. Oui, il y a 100 ans. Ça veut dire il y a 100 ans. Elles ont été cuites il y a 100 ans. Voilà. Ah ouais. Il y a plus vite que ce soir. Mais oui, ça se fait cuire. Bon, la vaisselle. Oui, l'argile. Après, bon, c'est de la vieille vaisselle du temps de notre maman. Voilà. Mais ce matin, on a regardé des photos. Bon, alors, voilà où on en est de la manche. Il me reste une diminution à faire. Et par contre, alors, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai suivi le modèle à la lettre. Mais je trouve que la torsade... Le panneau de torsade, il est trop en arrière, non? Genre là, je suis devant et on voit beaucoup la partie du dessous de la manche en point de blé. Oui. Mais quand je suis derrière, là, vous voyez bien la torsade. Les torsades, oui. Oui. On voit la torsade. Je trouve que c'est dommage. Oui, c'est dommage. Après, de dos, ça fait beau, c'est vrai. Il vaudrait peut-être mieux que ça soit le contraire. Ouais. Ouais, ouais. Bon, mais pourtant, il est fait comme mais ça, le modèle. Mais c'est très, très oui, joli. C'est vrai, ouais. Mais là, je suis contente parce que j'ai bien avancé bien avancé sur la manche. Si j'arrivais à finir aujourd'hui, ce serait génial. Ah oui, parce que Tati, je t'ai pas dit, mais c'est un challenge. Le challenge, c'est de terminer le pull jusqu'à la cérémonie de clôture des JO. Oh là, oula, elle fait alors, comment tu vas faire? Eh bien, c'est dimanche. Ah. Bah, je vais tricoter jour et nuit. Ah, ça s'appelle le oh non, il faut pas faire ça. Bah si, c'est trop, il faut se donner les moyens de réussir. Oui, 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 d'accord, se donner une certaine date. Mais là, c'est beaucoup. Mais j'ai commencé mardi. Mais sa robe pour ses 25 ans. Oui, oui, je sais. 4 jours. Elle s'est dit de faire une robe. Et alors, si tu voyais, elle est jolie cette robe. Elle est avec des genres d'anneaux. Comment tu appelles ça? Il fait très très chaud. Donc, nous sommes en route pour aller se rafraîchir à la piscine. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est trop chaud pour elle. Kiki. Ah, non. Et du coup. Oh là là. Ah oui, tu vas pas toi. Oui, non, j'arrive pas. Toi, tu vas prendre un bain dans la piscine ou tu dors pas avec moi ce soir. Hein. Je te préviens. Hein. Zouzou. Il est coquin ce chien. Par contre, il viendrait jamais dans l'eau. Pourtant, elle est belle et on y est bien. J'ai pris mon tricot, bien sûr. J'ai fait toutes les diminutions, je crois. Des manches, mais elle n'est pas du tout assez longue, ma manche. Mais là, je vais faire un peu de tricot piscine. Je suis tellement fan de ce point. Trop, trop, trop fan. Ça se passait bien, tout à l'heure. Ouais, bah moi, je suis allée à Saint-Denis la dernière fois et ça s'est très bien passé. Ouais, il y avait personne, mais il paraît que... Mieux que d'habitude. Soi-disant, les Parisiens, ils sont tous partis. Mais au mois d'août, ils partent toujours. Oui, oui. Toutes les années, au mois d'août, ils s'en vont. Et là, encore plus avec les JO. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a mangé? Les bêtises sont interdites. Moi, je m'entraîne pour devenir Léo Marchand. C'est pour ça que je voulais absolument venir. C'est trop tard déjà, c'est trop grave. Il n'est jamais trop tard. Si. Toi, tu pourrais te mettre au tricot. Ah oui, ça oui. Non, mais il y a des choses que c'est trop tard, c'est trop tard. René au judo, tu vois. Il y a des choses qui sont tardives. Vraiment à la boxe.
Bah, René au judo, je la vois bien. Ah non, la première truc, elle est un peu teigneuse. La première chute que le sait, elle se casse en 10 morceaux. T'as pas vu comment elle a voulu sur le mur? Ouais, c'est un peu. Ouais. Peut-être que ce chien, il a vu plus de pays que moi. Mais oui. Ah bon? Tu te rends compte? Il est jeune, hein, quel âge il a? Deux ans. Attends, il a fait... Ça fait 14 ans, c'est un petit de 14 ans. Ouf, il a vu... Il a fait l'Italie. Ouais, si. Tu l'as... L'Italie, c'est pas loin. Hein. Ça, c'est les mecs qui font la mécanique. Quoi. Ah, je sais pas. Ouais, ils ont une sur une Jaguar, ils font de la mécanique. C'est quel parking? Une Jaguar. Ils sont sur le parking? Ouais. Carrément, ils font la mécanique, ils ont mis le parasol et tout. Ah non, ce matin, ce matin, moi je suis rentré pas tard. Hein. Il y avait personne. Eh bien là, ils ont relevé la voiture. Là, je me sèche les mains, là. Bon, alors l'Italie, j'ai fait l'Italie. Bon, pour tricoter. Tu n'as pas tricoté dans la piscine. Si, c'est trop bien. Bon, alors, il a fait l'Italie. Oui. Il a fait la Suisse. Oui. Tu l'as fait aussi? Eh oui. Ok. Il a fait les États-Unis, tu l'as fait. En plus, on était ensemble. Oui. Ça fait que... 3, hein. Il a fait l'Espagne. Je ne suis jamais allé en Espagne. Non, tonton. Mais tu vas en voiture. Je sais. Ok, il a fait quoi d'autre pour en avoir fait autant? Ah, la Belgique. Non, je suis pas allé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il est allé plus loin. Ouais, encore, elle va t'en dire. Ouais, non, mais là, il n'y en a plus beaucoup. Là, il en a fait. Non, il n'a jamais été. Jamais c'est compliqué. Plus, c'est compliqué, les chiens en Angleterre. Et le Canada. Voilà. Et voilà. Et la France, voilà, c'est tout. Je suis jamais au Canada. Ouais. Ça m'attire pas le Canada. Ah, c'est bien quand même. Hein. Non, mais moi, il faut qu'il fasse chaud. Hein. Ouais, mais le Canada, il fait comme ici, hein, en été. Ça dépend où tu vas, mais moi, j'y suis allée au mois de septembre et j'ai pas eu froid, hein, du tout. Ouais, sans avoir froid, moi, il faut qu'il fasse chaud. Ça fait pas montagne, hein. Oui, enfin, oui, tu vois. Je comprends très bien, parce que. Moi, ce qui m'attire, c'est les pays chauds. Non, mais il faut absolument que tu ailles en Espagne. Oui, j'irai. Je dois y aller, là, peut-être. T'as septembre, j'y vais. Ah ouais? Pour faire quoi? Un truc en particulier? Non, pour mener ma soeur, parce qu'il y a des trucs de boules. Ouais. Elle n'a jamais voyagé, ma soeur. Ah. Et donc, elle y est allée une fois. Ok. Et elle a trouvé tellement ça bien, tu sais, c'était le truc tout inclus. Ouais. Tu peux manger, tu buvais, les buffets à volonté. Ouais, toi t'aimes bien les buffets aussi. J'adore les buffets, moi. Il faut que j'aille à manger et comme ça, je prends ce que je veux. Non, mais moi, je prends ce que je veux. Ouais. Je ne m'oblige pas. Et tant que je vais l'amener en septembre pour qu'elle repasse. Ah, c'est très bien. Et je la laisse. Ouais. Et nous, on va visiter un peu l'Espagne, okay. Du Nord, enfin, côté Barcelone. Ouais, sympa, hein. Moi aussi, je vais à Barcelone en été, là, en hiver. Je vais au mois de décembre à Barcelone. Ouais, ben, pour le travail. Ouais, mais il faut prendre le bain en décembre. Ah non, mais de toute façon, avec le travail, je n'allais pas prendre le bain. Je veux ça, là. Eh oui, je comprends, bien sûr. Les tapas, les... Je veux faire le truc de flemmard de touriste. Oui, c'est normal. Mais moi, j'aime pas trop les buffets parce qu'il faut se lever. Pour aller chercher ta nourriture. Quand on te sert quelque chose que tu as commandé et que c'est pas bon, qu'est-ce que tu peux pas tricoter. De quoi? Tu peux pas tricoter parce que tu es tout le temps en train de te lever pour aller chercher un truc. Ah ouais, bon quand même, tu peux une pour une heure pour manger. Ouais. Ça va mon cœur. C'est tout seul. Tu venais une fois par semaine, 4 heures. Je suis un petit peu mouillé, bah oui, ça te rafraîchit. Bon, on rentre. Et là, l'objectif, c'est de terminer la manche, coûte que coûte. Que plus personne ne me parle, je termine ma manche. Non, je rigole, je veux profiter du temps avec mes grands-parents, bien sûr, mais terminer la manche aussi, ça me ferait bien plaisir. Je comprends rien encore à ce truc. Ok. C'est parti, on termine la manche, Kiki. Oui. Regardez qui vient nous accueillir.
Oh la coquine, petite. Elle est trop flippée. Ben oui mon cœur. Oh là là, il est jaloux. Toute chose quand même, je vais me doucher parce que les cheveux pleins de eau de piscine et tout, c'est pas génial. Et après. Mamie, c'est les nôtres. Non, juste des infirmiers. Oh là là. Regarde, mamie, il est en train de gagner. Hein. Oh, ah, c'est Florent, ma nounou. Oh, punaise. Gorille. Moi, je suis sûre que tu pourrais faire ça, mamie. On devrait organiser les Olympiades de la famille. Oh là là, il se fait rattraper. Punaise, il se fait rattraper. Il est contre le recordman du monde chinois. J'ai raté mon tricot, moi. Poisse. Voilà où on en est du pull et de la longueur de la manche. Voilà. J'hésite entre juste terminer cette répétition, il me reste à peu près 10 rangs, et faire les côtes, ou terminer cette répétition, faire une deuxième répétition. Et les côtes. J'hésite parce que là, c'est vraiment le moment où là, je me dis, j'aurais bien aimé avoir fait mon col. Parce que j'ai peur que le col, ça me remonte le pull et la manche. Et que la manche, elle soit trop courte. Pour l'instant, elle est plutôt longue d'une bonne manière, mais ne sachant pas, c'est un peu entre deux, quoi. Parce que là, si je fais encore 10 rangs, donc ça veut dire ça, je pense à peu près, et les côtes, si ce serait pas bien si je m'arrêtais là, peut-être. C'est dur de ne pas faire une bêtise. Au pire des cas, je coupe les côtes et j'en rajoute, hein. C'est pas non plus très grave. Montrez mon papy. Papy, regarde mon pull. Tu le vois? Non, mon pull sur moi. Oui, oui. Mais non, là, tu regardes dans le téléphone, mais il est sur moi. Oui. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je sais pas trop. Hein. T'aimes pas? Il y a beaucoup de forme. La manche. Manche, elle est magnifique. Ah, quand même. Le reste que je relève. C'est ça qui se relève, je comprends pas. Non, mais là, c'est parce qu'il y a le câble des aiguilles. Mais après, je vais le descendre. Là, j'ai pas terminé, hein, le tricot. C'est l'avancée. Tout à l'heure, maman, j'étais là. Hein. Ouais, j'ai bien. Là, tu as avancé. Bien avancé, hein. Ouais. D'un coup, il n'y a pas longtemps que tu as commencé la marche. Ben là, moi, je l'ai commencé hier, quand j'étais là, le midi. Oui. Ben non, je suis contente. Oui. Là, ça fait bien avancer. Là, ça commence à ressembler à un peu le vert. Ouais, ouais. C'est cool. Il y a beaucoup de torsades. Oui. Il y a beaucoup de torsades. We'll be right back.
voilà où on en est. Je pense que j'ai fait la manche assez longue là. Donc, je vais commencer les côtes de la fin de manche et terminer le vlog ici. Donc, je vous dis à demain pour la suite de mes aventures tricot, où j'espère que du coup on commencera la deuxième manche. Bisous!